prime abord, dans le fond, ce que je viens vous présenter, c'est un petit peu la naissance du village de Vimy ici. Je ne vais pas parler de la bataille là-bas, je laisse ça à mon collègue Carl Pépin. C'est vraiment la naissance du village. On va s'attarder sur comment ça a débuté et pourquoi on a choisi le nom de Vimy ici. Donc, j'ai institué ça un village minier sur la Crète, un peu à l'idée de Mme Céline Roy qui avait intitulé son livre « Mon village minier sur la Crète ». Donc, j'ai repris ça ici. Et on voit un petit peu ici donc, le village de part et d'autre aux alentours des années 1920. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on est situé, c'est environ juste ici, à l'arrière là, des blocs appartements. Donc, le village a quand même très peu changé, je dirais, là, dans son ensemble, à part peut-être la forestation autour. Donc, tout commence dans la région, à peu près toutes les municipalités de la MRC, avec l'exploitation minière. Donc, l'exploitation minière dans la région va se faire avec le chromite à partir de 1889 par la compagnie King Brothers. King Brothers, c'était trois propriétaires, en fait, c'était trois frères, Charles, James et William, qui ont fondé la compagnie King Brothers et qui exploitaient des gisements miniers à l'époque. Donc, ce sont les premiers à venir s'intéresser aux gisements miniers de la région ici à Vimy. Et ils vont le faire à partir, comme je dis, de 1889. En marge de ça, il y a une compagnie qui s'appelle la Bennett et Martin, en fait, qui sont deux associés, qu'on va voir un petit peu plus tard, qui vont aussi s'intéresser aux gisements miniers, de sorte que le 16 décembre 1915, Alexander Robert Martin va acheter les lots de la King Brothers pour un montant de 22 000 $ Donc, on est en 1915 ici, donc on va acheter l'ensemble des territoires qui comprend à peu près l'ensemble du village actuel de Vimy et la portion qui descend là, donc vers les chemins tortueux, un petit peu là, sinueux, vers la mine qu'on retrouve plus bas. Donc, on achète l'ensemble de ces terrains-là. Monsieur Martin va garder à lui-même les terrains pendant 6 mois, de sorte que le 15 mai 1916, il va transférer les propriétés à la Bennett et Martin Chrome Mine, en fait, qui exploite le chromite. Le chromite, qui est un minerai qu'on prend pour la pigmentation à l'époque, autant pour le cuir que pour faire du chrome, donc, ou de l'acier galvanisé, donc pour pas que ça rouille. Et à partir de 1916, il va retransférer en octobre 1917 à une nouvelle compagnie qui s'appelle la Bennett et Martin Asbestos and Chromite Mine. Donc, c'est toujours les mêmes propriétaires qui restent là. Pour vous donner un petit peu une idée, on a ici un petit peu l'arbre généalogique de la société Asbestos, donc la compagnie mère aujourd'hui qui existait. Et nous, on s'intéresse vraiment à la lignée ici, donc Bennett et Martin Chrome, qui vend à la Bennett et Martin Asbestos and Chrome, qui va revendre plus tard à la Thetford Vimy, qui va devenir la Asbestos Corporation. Donc, vraiment, là, juste une petite lignée un peu minière. Qui sont ces deux personnages-là? Donc, Bennett et Martin, non, ce n'est pas un seul personnage, ce sont deux personnes. Benson James Bennett, l'homme que vous voyez ici en haut, c'est le premier maire de Thetford Mines entre 1901 et 1905. Donc, lorsque Thetford Mines prend son nom officiel de Kingsville à Thetford Mines en 1905, c'est M. Bennett qui est en poste à cette époque-là. C'est aussi le premier gérant de la mine King. Donc, on voit encore là les proximités entre l'administration municipale et l'administration minière. Et M. Bennett est un investisseur minier. Il va avoir plusieurs propriétés minières, plusieurs gisements d'exploitation, principalement avec M. Martin, qu'on va voir aussi. Et il est propriétaire d'une somptueuse demeure que vous voyez ici, qu'on appelle le Château Bennett, dans la région. Le Château Bennett, pour vous donner un petit peu une idée de sa grosseur, vous voyez que les personnages en avant, là, c'est une très, très grosse demeure. À l'époque, il y a deux demeures importantes dans la région, le Château Bennett et le domaine Saint-Martin, qui appartient à Alexander Robert Martin. Malheureusement, M. Bennett, en 1924, va être forcé à la vente puisqu'il fait faillite. Les actions de ses compagnies, dont les actions qu'il a dans la fonderie de Thetford, vont très mal. L'amiante va très mal à cette époque-là. Donc, il va être forcé de vendre par faillite sa maison. Et c'est son cousin qui va acheter la somptueuse demeure, croyant faire un coup d'éclat et une bonne affaire à acheter ça à modique prix. Son cousin va également se ruiner, de sorte que le bâtiment est incendié. En fait, il est démoli en 1953 par le feu. Donc, est-ce volontaire, involontaire, on ne le sait pas encore aujourd'hui. Mais il reste encore quelques fondations du bâtiment. M. Bennett, comme je vous dis, est parti dans la faillite, donc est parti un peu dans la disgrâce en quelque sorte. Et il va être inhumé sans pierre tombale le 25 juillet 1939. Et ce n'est que vers 1950 que son ancien chauffeur privé, M. Telesphore Roy Jr., va ramasser toutes ses économies et va faire installer un monument à son patron, donc à M. Bennett, dans le cimetière pour lui faire une certaine reconnaissance. Le second personnage, Alexander Robert Martin, j'ai fouillé autant que je pouvais. Je n'ai jamais trouvé de photo du personnage.
J'ai demandé à toutes les gens que je connais dans le domaine. Un tel portrait ne semble pas exister, malheureusement. Mais M. Martin, effectivement, c'est un associé de Ben St. James Bennett. Il a la plupart de ses terrains miniers dans la Bennett et Martin. C'est avec lui qu'il les a, comme je vous disais. C'est un investisseur minier, qui vient de la région de New York. Lui était venu vraiment ici pour acheter des terres et exploiter des gisements principalement. Et tout comme M. Bennett, c'est le propriétaire d'une somptueuse résidence qui est le domaine Saint-Martin. Le domaine Saint-Martin qui est juste ici. Le domaine Saint-Martin, en 1924, même situation, la faillite le force à vendre. Sauf que lui, au lieu, avant de faire faillite, il va avoir la brillante idée en fait, de vendre son domaine aux Sœurs de la Charité de Québec, qui vont l'utiliser eux, comme résidence puisque l'hôpital s'installe juste en face en fait, du domaine qu'on appelle le pavillon Saint-Joseph ou que les gens connaissent aussi comme étant l'hôpital Brune à Thetford Mines. C'est souvent le nom qu'on lui donne. Donc, et M. Martin va retourner aux États-Unis par la suite, ce qui fait qu'il laisse très peu de traces dans la région, outre son passage dans les mines ici. Donc, ça, c'est nos deux personnages qui expliquent un petit peu le début de l'exploitation minière. Pourquoi donc on donne le terme de Vimy au village? Pourquoi on appelle ça Vimy Ridge? C'est un petit peu plate à dire, mais on ne le sait pas. On ne sait pas exactement, précisément. Il n'y a pas de document officiel qui dit que ici, c'est Vimy Ridge. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est des documents à gauche et à droite qu'on peut rassembler, qu'on peut, en fait, amener à se questionner. La plus vieille trace du village, en fait, la plus vieille trace de la nomination qu'on a trouvée, c'est le 12 juin 1919, dans le journal Le Canadien de la région de Thetford. Et dans le journal, en fait, la petite article ici qui parle de Coleraine, il y a le paragraphe où l'on peut lire « L'on prit le dîner sous les arbres et toute la journée se passa dans des visites au moulin, au puits d'amiante et dans des courses et jeux à l'ombre des grands pins de Vimy. » C'est la première mention qu'on situe vraiment là, un village en tête, un emplacement comme étant Vimy. À part ce document-là, on retrouve aussi une carte que Mme Céline Roy, d'ailleurs, a dénichée à la société Asbestos, une carte de la Bennett et Martin. Donc, on voit vraiment les installations minières et on voit l'ensemble du village. Lorsqu'on agrandit le secteur, on voit vraiment ici donc, la position de tous les bâtiments de la Vimy Ridge Mine, qui appartient à la Bennett et Martin Asbestos and Chrome Mines. La carte, tant qu'à elle, date de 1920 environ, ce qui fait en sorte qu'on est quand même situé quelques années après donc, la bataille, quand même, je dirais 3 ans. Et lorsqu'on veut en fait, associer le mot Vimy à Vimy en France et à la bataille en tant que telle, on va voir l'agrandissement du village. Et le village avait un plan de plusieurs rues. Il y avait la Cambry Street, la Arras Street, Amiens Street, Ypres Street et Vimy Street. Donc, comme je vous dis, on n'a pas de document nécessairement officiel qui dit « Oui, à partir de telle date, on appelle ça Vimy Ridge. » Mais en prenant des documents comme ça, on peut quand même se questionner à savoir est-ce que le lien est vraiment là. Donc, tout porte à croire quand même que ça serait très plausible. On va officialiser le terme Vimy Ridge, vraiment là, en 1922, avec l'inauguration du chemin de fer, donc le 19 juillet 1922, on va inaugurer le chemin de fer reliant le village de Coleraine à Vimy Ridge Mine. Et c'est lors d'un dîner particulier qu'on va inviter M. T.F. Menville, le propriétaire de la compagnie Johns Menville d'asbestos. Et en fait, ce que vous voyez ici, là, c'est le dépliant souvenir qu'on a donné pour le menu de la journée. Et lorsqu'on agrandit le bas, c'est vraiment écrit « Vimy Ridge France, the father of the name ». Donc, encore là, tout porte à croire qu'il y a un lien vraiment entre le village de Vimy en France et le village ici. Comme je vous dis, c'est vraiment tous les documents comme ça qui nous permettent, encore là, dater du 19 juillet 1922. Le village de Vimy a aussi des liens avec l'armée. Donc, ce n'est pas seulement Vimy en France, dans la Première Guerre mondiale, il y a eu un chevalement, donc on a nommé le chevalement Penhale, qui était une mine souterraine. Si vous avez passé où les installations minières en bas du village ou le chemin sinueux, le chevalement qui est là, c'est le chevalement Penhale. Il est encore debout. C'est une mine qui n'a jamais été exploitée. Donc, on a creusé sous terre, on a fait vraiment le chevalement, on a fait le tunnel de descente sous terre. On s'est rendu à quelques centaines de mètres peut-être du gisement. On ne l'a jamais exploité. Pourquoi donc, en fait, les problèmes financiers de la compagnie Asbestos, puisque c'est la compagnie Asbestos Corporation qui possédait à l'époque le terrain. Et il y a aussi la chute de la demande de la ressource en amiante, donc qui a diminué. Pourquoi qu'on appelle ça la mine Penhale? Encore là, on n'a pas de document officiel. Malheureusement, la seule chose que j'ai en tête, c'est lorsque j'ai visité, je vous fais une petite parenthèse,
sous la mine, en bas ici, il y a un bunker, littéralement, où ce qu'ils sont entreposés entre, on estime, 150 à 200 000 plans d'archives miniers de la société Asbestos. Et moi, j'ai toujours cette image en tête que lorsque je suis allé visiter, j'ai reviré dans une bibliothèque et il y avait un gros cartable et c'était écrit « Mine Penale ». J'ai jamais pu prendre le cartable. Okay? Encore aujourd'hui, je pense que j'en rêve et j'aimerais ça savoir pourquoi. Mais en fait, comment j'aboutis à ça, c'est en fait, il y a deux personnages qui ont travaillé dans le monde minier. John Jenkins Penale, qui était, comme M. Binette a dit tout à l'heure, un ingénieur minier de la région et lieutenant-colonel de la première division, ce que j'appelle d'approvisionnement. Là. En anglais, on dit la First Canadian Ammunition Column. Et il y a son fils, Alfred Lloyd Penale, qui était président de la société Asbestos. Et encore là, comme M. Binette l'a mentionné, on a leur descendante, donc la petite-fille de John et la fille de Alfred, Mme Beverly Nicole Penale, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on peut, à partir de ces deux personnages-là, donc relier ça encore là à l'exploitation minière. Un autre attachement au monde militaire, pouvons dire ça comme ça, il y a une mine qu'on a nommée la mine Normandie. Donc, en 1955, cette fameuse Bennett et Martin, qui a été des premières exploitations minières de la région, le 12 février 1955, à minuit tapant, on arrête les opérations de la Bennett et Martin et on change le nom pour la mine Normandie. Donc, on passe d'une opération à l'autre. Et à cette époque-là, donc, c'est M. Alfred Lloyd Penale qui est président de la société Asbestos. Donc, le nom va s'orchestrer là. Et comme je vous dis, on est en 1955, pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, il y a encore un attachement militaire, en quelque sorte, dans la nomination qu'on va faire du village. En bref, je vous dirais que l'aménagement du village, si on se résume à ça, débute à partir de 1917. C'est-à-dire que les premières maisons, vraiment, les installations qu'on va en faire pour installer des mineurs, pour faire des résidences, c'est à partir de 1917. C'est pour ça qu'on dit que pendant le temps qu'en France, il est en train de se détruire un village à cette époque-là, ici, au même moment, on est en train d'en fabriquer un. Donc, encore là, l'attachement se fait un petit peu à ce niveau-là. Et comme je vous dis, l'origine du nom, c'est un peu triste à dire qu'on ne sait pas exactement l'officiel. En fait, on a l'officialisation dans un document, mais on n'a pas de document là, officiel écrit de la main, par exemple, d'un notaire qui donne le nom de la municipalité. Mais à force de fouiller à gauche et à droite, à poser des questions, on finit par remettre un attachement donc, entre la bataille de Vimy en France et Vimy Ridge au Québec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on souligne un petit peu le lien des 100 ans entre les deux. Et c'est pour ça aussi que cette année, le village fête son 100e anniversaire également. C'est ce qui fait un petit survol de la naissance du village de Vimy. Si jamais vous en voulez savoir plus, je vous invite fortement à lire le livre de Mme Céline Roy, « Mon village minier sur la Crête ». C'est un bijou pour tous ceux qui s'intéressent à ce petit village. Répondu à notre invitation. Évidemment, aujourd'hui, le sujet ne sera pas très varié. On va parler d'une chose qui est la paroisse Saint-Alexandre et de sa situation financière et aussi de l'orientation des services ou de l'organisation de la paroisse dans les années à venir. Alors, je vous ai remis tantôt une feuille sur laquelle vous avez des données qui concernent les finances de la paroisse. Ce qui nous amène ici, aujourd'hui, puis ce soir avec le public, c'est qu'on veut d'abord, dans un premier temps, donner de l'information à toute la population de la région de Thetford, parce qu'on considère que la paroisse Saint-Alexandre couvre toute la ville et concerne même les gens qui ne viennent pas nécessairement à l'église, surtout par ce qu'il y a trop baptiste. Alors, on veut informer dans un premier temps, puis après ça, on veut consulter. On veut savoir qu'est-ce que les gens pensent par rapport à la paroisse, par rapport aux installations qu'on a, exemple les deux églises, les presbytères et ces choses-là. Alors, c'est dans cet esprit-là. Ce qui nous a amené ici, c'est qu'on a débuté une réflexion sur les finances de la paroisse. Depuis 2001, ce qu'on constate dans nos rapports financiers annuels, c'est que la paroisse est en déficit année après année. Et on se retrouve, il y a 10 ans, on avait au-dessus d'1 million en économie,
Et aujourd'hui, ce million-là a fondu de telle sorte qu'on se retrouve avec un 300 000 en banque. Et si on y va au rythme de déficit, comme on a enregistré en moyenne au cours des dernières années, qui se chiffre autour de 140 000 à 150 000 par année, c'est donc dire que si on fait le calcul rapide, on n'a pas pour beaucoup d'années encore. Alors, face à tout ça, on s'est dit, il faut réfléchir, il faut regarder les pistes de solutions. Il y a évidemment, quand une organisation est en déficit, on se pose deux questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les revenus? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les dépenses? Si on peut faire les deux, c'est tant mieux. Mais si on ne peut pas faire les deux, on va devoir, quelque part, aller à une diminution de dépenses. Et les dépenses, ça va être de quelle sorte? C'est à ce sujet-là qu'on est engagé dans la réflexion. Alors, vous avez entre les mains une feuille que je vous ai remise tantôt, qui porte sur les finances de la paroisse. Et dans les revenus, ce que vous pouvez constater, on a mis trois années qui chiffrent 2008, 2012 et 2016, les revenus et les dépenses. Vous constatez, comme moi, l'état des déficits de 2008, de 2012 et de 2016. L'an dernier, on a réussi à finir l'année avec un déficit de 69 000, mais ça devient de plus en plus difficile là, de réduire les dépenses. Les dépenses ont été réduites de la façon suivante, c'est qu'on a, d'abord ici à l'église Saint-Alphonse, on a installé un système au gaz naturel, ce qui nous procure une économie d'entre 25 à 30 000 par année. Antérieurement, c'était entre 50 et 55 000 de chauffage. Là, on est entre 25 et 30 000 de chauffage annuel. Le presbytère Saint-Alphonse, on a fait le même exercice, et là aussi, ça se solde par des économies. Maintenant, il faut continuer à chauffer. Il faut continuer à assurer bâtisses, il faut continuer à les entretenir. Et on a aussi, évidemment, une autre église qui est celle de Sainte-Marthe, qui elle aussi génère des coûts. Alors, on a beau vouloir diminuer, mais ce n'est pas évident du côté du chauffeur pour Sainte-Marthe, puisqu'on l'utilise d'une part. Deuxièmement, on ne veut pas qu'elle se détériore non plus. Alors, ça fait que les économies ne sont pas nécessairement faciles. Du côté des revenus, année après année, vous avez, entre autres, dans ce qu'on parle revenus et statistiques, la CVA qui était en 2008 de 497 000 est rendue maintenant à 235 000 l'an dernier. C'est une forte diminution. Si on regarde, par exemple, notre objectif de CVA était de 300 000 l'an passé. Si on l'avait atteint, probablement qu'on aurait évité un déficit ou à peu près. Donc, de ce côté-là, on a réussi à passer malgré les revenus qui manquent. Si vous regardez, par exemple, du côté des activités à la paroisse, par exemple les funérailles, vous constatez qu'on a passé quasiment du double au simple, là, 163 funérailles en 2008 pour 79 en 2016. Ça aussi, ça procure des revenus. Vous voyez en conséquence là, la différence. Les collègues de funérailles, ça a le même impact aussi. Ça fait toute partie de nos revenus. Ensuite, vous arrivez au niveau des mariages. Évidemment, l'an passé, il y en a eu 9. Cette année, on peut s'encourager. Il y en a 12 ou 14, il me semble, qui s'annoncent. Ce sera une augmentation par rapport aux autres années. Alors, ça vous donne un aperçu de la situation financière de la paroisse dans l'ensemble. Sur la deuxième face de la feuille, à page 2, on vous parle, par exemple, des coûts des deux églises, y compris les presbytères. Vous avez pour Saint-Alphonse des coûts qui se chiffrent à 141 000 et pour Sainte-Marthe à 60 990. Alors, comment on peut faire des économies à l'intérieur de tout ça? C'est la question qu'on se pose. De fait, en plus des mariages, des funérailles, des baptêmes, qui sont des choses, des actes du culte habituels, dont le nombre, on voit, là, le nombre de demandes diminue. Il y a toutes les activités de ce qu'on appelle de catéchèse, où on rassemble des enfants et des parents. Et pour ça, de fait, on utilise en partie le presbytère, en partie la salle où nous sommes maintenant,
pour ces rencontres-là. Ça rejoint quand même autour de 150-160 familles qui sont concernées par ces activités-là, qui se déroulent chaque année, de septembre jusqu'au mois de juin. L'activité pastorale, il y a différents groupes qui se rassemblent de fait au presbytère ici ou dans les locaux qu'on a à Sainte-Marthe. Différents groupes, les cursillistes, les groupes de prière, certains mouvements, la Saint-Vincent-de-Paul, qui utilise aussi les espaces. Et comme actuellement aussi, l'équipe pastorale dont je suis le curé, on est 5 prêtres, il y a 2 intervenants dans la catéchèse, il y a 2 diacres dans la région, et actuellement, nous ne formons qu'une seule équipe pastorale. Avant, il y a eu des décisions qui ont été prises ici au niveau de la pastorale, mais aussi au niveau immobilier. C'était quand les paroisses, qu'on dit de telle sorte, étaient indépendantes, chacune. Et bien maintenant, il y en a seulement une paroisse, une fabrique. C'est vrai, mais dans la région, il y a comme 3 paroisses maintenant ici. Tout ce qui concerne Robertson, East Barton, et tout le secteur Blacklate, Saint-Ferdinand, Coleraine, c'est une autre paroisse qui est aussi rassemblée sous une seule fabrique. Mais moi et l'équipe pastorale, les prêtres et les autres personnes laïques avec nous, on est responsables de tout, de la supervision de tous les services de célébration, mais aussi toute l'organisation pastorale à tous les niveaux. Alors, peut-être qu'on peut préciser des 3 paroisses. Oui, enfin, il y a 3 paroisses et on dit 15 communautés chrétiennes. Et sur ça, il y a deux lieux où il n'y a pas comme tel d'église. C'était des anciennes églises qui servent encore au culte et à différentes formes de rencontres. Au niveau du diocèse, vous ne pouvez pas avoir certaines aides financières. Au plan diocésain, le diocèse, c'est l'ensemble des paroisses. Et les revenus du diocèse proviennent des services qui sont donnés au plan diocésain. Et chacune des paroisses doit contribuer au plan diocésain. C'est l'inverse. Parce que c'est un diocèse, c'est comme une fédération de paroisses. Alors, on peut prendre l'image d'une coopérative, une paroisse, un diocèse comme une coopérative de paroisses, et chacune des paroisses, pour avoir des services diocésains, on contribue aussi. Le diocèse a ses ressources propres, mais une partie des ressources paroissiales vont il y a une contribution annuelle. Il arrive parfois que nous sommes exemptés d'une chose ou l'autre. Pour des raisons majeures, mais si c'est pas nous, si nous on reçoit de l'argent, ben peut-être que ça nous vient de paroisses qui en ont. Comme dans la région ici, il y a des paroisses qui ont de l'argent, mais il y a des paroisses et des communautés chrétiennes là, qui sont, pour différentes raisons, à court d'argent. Si on regarde la situation actuelle, on s'en va vers une faillite. Qu'on ait une ou deux églises, on s'en va être en faillite. Si rien ne change, dans 3 ans, c'est un enterrement de première classe. Exactement ça qui va arriver. On fait quoi après? Est-ce que les gens vont dire, oh, c'est de valeur, on aurait dû faire ci, faire ça? Il faut qu'on se prenne en main et qu'on ait de l'argent qui rentre. Donc, c'est ça ce soir qu'on va en parler aussi. De quelle façon qu'on va procéder pour pouvoir monter la pente? Si les gens, comme Marcel dit, il y a 1800 personnes qui donnent, il y a 10 000 portes dans la paroisse Saint-Alphonse. Donc, il y a 18 % des gens qui vont donner, qui donnent à la CVA. Ça, c'est comme les taxes scolaires. Moi, j'ai 78 ans, je n'ai plus d'enfants à la maison, je paye mes taxes scolaires à la commission scolaire, je n'en profite pas, mais c'est la population qui en sert, qui est là. C'est pareil pour l'Église. Même si c'est des gens qui ne sont pas croyants puis qui ne viennent pas à l'Église, ils peuvent quand même donner. C'est là qu'il faut mettre l'accent, aller chercher les gens, la population générale, pour qu'elles puissent, ça va être au niveau patrimonial, au niveau de leur préoccupation. Puis c'est un devoir aussi de citoyen pour la ville de Thetford. Je pense que la ville devra aussi faire son effort dans ce sens-là. Moi, je paye des taxes qui servent
pour la ville, pour l'aréna. Je ne joue pas au hockey, je n'ai plus d'enfants qui sont là. Mais j'en paye. Puis sur ce correct qu'il y ait des taxes. On dépense 1,5 million, 2 millions pour les Jeux du Québec. C'est parfait. On va amener du monde ici, ça va faire du bien à nos jeunes. Mais tout le monde va contribuer. Donc pourquoi, quand c'est une église, qu'on ne contribue pas? Si vous avez la réponse, bien content. Évidemment, tantôt, on vous a donné des chiffres sur Sainte-Marthe et Saint-Alphonse. Bien, Sainte-Marthe aussi est là. Ça fait partie de l'interrogation qu'on a. Et on ne se cachera pas, ce soir, on va en parler aussi. C'est qu'on estime à peu près 300-350 personnes par célébration. Exemple, les messes de fin de semaine. Et si on regarde, l'église Saint-Alphonse contient à peu près 1000 personnes, à date 1200. À Sainte-Marthe, il en rentre, je pense, c'est 700, quelque chose du genre. Là, le chiffre m'échappe un peu. Mais ça voudrait donc dire que, est-ce qu'on a besoin de deux installations pour nos activités? Ça aussi, on y réfléchit, puis on va avoir des choix à faire si les revenus n'augmentent pas. Et même si ils augmentent, on aura aussi à se questionner, est-ce toujours utile d'avoir deux installations? Alors, on est bien d'accord sur le plan émotif que oui, c'est un édifice patrimonial, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il appartient à 1 800 personnes, donateurs, de s'occuper d'un bâtiment important, qui a un sens très incrusté dans la population, que ce soit uniquement ces gens-là qui l'entretiennent? Est-ce qu'on ne devrait pas penser que la population de toute la région de Thetford, si elle est fière de ce monument, puisse contribuer? La fermer, bon, si on n'avait pas un sou puis qu'on devait mettre la clé dans la porte, on n'aurait pas le choix. Maintenant, parmi les pistes de solution, disons qu'on ne souhaite pas que ce soit celle-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchira pas sur celle-là aussi.